avons l'honneur et la joie de vous faire partager un moment unique avec notre petit prince du net, le fondateur et dirigeant de Price Minister. Mais voilà, avant ça, laissez-moi vous présenter qui se cache derrière cette success story made in Paris. Nous voilà le 11 août 2000, Price Minister voit le jour à Paris, au 57 boulevard de la Villette. L'entreprise trouve vite sa place sur le marché, une position qu'elle saura consolider et développer, au point que 10 ans plus tard, voilà que Price Minister devient le site en ligne le plus visité par les Français. PKM compte bien reproduire cet exploit en Europe cette fois. Pour cela, il a besoin de plus de trésorerie. Il tente d'entrer en bourse, sans succès. Mauvais timing. C'est dans ce climat que Rakuten lui fera une offre à la hauteur de ses ambitions. Price Minister sera racheté pour 200 millions d'euros avec PKM aux commandes de l'entreprise. Aujourd'hui, Price Minister, c'est 20 millions de membres en France, un quart des internautes français et 30% de croissance par an. Enfin prêt pour la conquête du monde, PKM est un entrepreneur accompli, mais pas que. C'est aussi un business angel très généreux puisqu'il est cofondateur du fonds d'investissement Isaïe et qu'en novembre 2011, il sera même nommé chevalier de l'Ordre national du mérite. Voilà mesdames et messieurs, PKM. C'est l'interview. On a remarqué que depuis quelques années, tu nous faisais quand même un petit striptease. La preuve en image. 2010, c'est propre, hein, carré. On a la veste, la chemise et la cravate. 2011, on commence à se détendre un peu, puisque là, on a retiré la cravate, mais on a toujours la veste et la chemise. 2012, on se détend vraiment, hein, puisqu'on a, on a retiré la chemise carrément. Essayez de faire ce geste avec votre main, c'est extrêmement difficile. Il faut arriver à faire un truc comme ça. Mais on a quand même le t-shirt, c'est pour ça que tu as retiré la chemise. Voilà. Et 2013, d'accord. Il y a une photo dans ma salle de bain, comment ça se passe? Alors 2013, c'est l'apothéose, puisque 2013, on est qu'en t-shirt et puis on est carrément hyper détente. Et du coup, on se demandait pour 2014, qu'est-ce que tu vas nous faire? Torse nu? Alors, ou à quoi s'attendre? Là, je ne suis pas prêt à ça. J'aurais pu être en caleçon éventuellement. Bon, bah, du coup, on a voulu quand même être safe. Donc, on t'a ramené une casquette. On s'est dit que ça serait déjà ça. C'est bien comme ça? Un peu Eminem. Look. Tu t'es lancé en premier quand tu étais très jeune, puisque c'était en parallèle de tes études à HEC. Oui, j'avais à peu près ton âge, hein, puisque j'avais 21 ans. Et qu'est-ce qui t'avait poussé à créer en parallèle de tes études? Ce qui m'a poussé à monter ma boîte, c'est entre ma deuxième et ma troisième année d'HEC, j'ai fait un stage au Vietnam auprès d'un gars qui venait de monter une boîte. Mmh. Et j'ai trouvé que ça avait l'air vraiment sympa. Et en dernière année, j'ai fait HEC entrepreneur. On côtoie plein de chefs d'entreprise, enfin de créateurs d'entreprise. Je me suis dit qu'ils avaient l'air heureux. Qu'ils avaient l'air d'aimer leur job, ça m'a parlé. Et donc, j'ai eu envie de monter une boîte à ce moment-là. Et puis, ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai fermé la boîte que j'ai créée à peu près un an et demi après. Comment tu vis l'échec? Alors, l'échec, on ne le vit forcément pas bien, parce qu'on préfère quand ça marche. J'ai la chance d'avoir une grande confiance en moi. Donc, j'ai réussi à me convaincre que ce n'était pas que ma faute. En même temps, j'ai quand même analysé en détail le truc pour voir là où je m'étais trompé. Je me suis dit, voilà, si je n'avais pas commis ces erreurs-là, bah, ça aurait peut-être marché. Donc, ça n'a pas entamé mon envie d'entreprendre. T'es rentré en France alors que t'étais aux États-Unis, la terre qui est censée être vraiment la terre entrepreneuriale de légende. Mais toi, tu rentres en France où les gens disent entreprendre en France, c'est pas facile. Alors, je suis rentré en France pour une raison simple, c'est que les États-Unis avaient 2-3 ans d'avance sur la France sur l'Internet. En gros, l'idée que j'ai eue, elle existait aux États-Unis et pas encore en France. Je suis rentré pour ça. Après, je pense quand même qu'on sent mieux le marché dans le pays dans lequel on a grandi, parce que culturellement, on est plus proche des gens. Donc pour moi, c'était assez naturel. Je trouve qu'en Europe, ça manque un peu d'énergie entrepreneuriale. Ouais. Et en même temps, en disant ça, c'est un peu faux aussi, parce que j'ai cofondé le fonds Isaïe, le fonds des entrepreneurs de l'Internet. On a reçu 1600 dossiers en 2013, donc c'est à peu près 5 par jour. Donc il y a quand même plein d'entrepreneurs en France, il n'y en a jamais eu autant en fait. À l'époque, j'avais plutôt l'envie, après avoir vu les États-Unis, de rentrer en France. C'est l'entrepreneur qui fait la création d'entreprise, c'est pas le pays dans lequel il est, quoi. Et entreprendre en France, c'est largement faisable. Oui, bah heureusement, j'ai investi dans une cinquantaine de sociétés en France. Heureusement, elles marchent très bien en général. Okay. Et en France, on a moins d'entrepreneurs qu'ailleurs, donc on a moins de concurrence. Langue de poids, justement. Je te montre des petites pancartes et tu me dis en un mot ou en une phrase ce que ça te fait ressentir. J'ai juste une chose à dire sur l'expression pacte de responsabilité. Mmh. Moi, j'essaie d'être responsable. Malheureusement, j'ai l'impression que le monde ne l'est pas forcément. Donc, j'attends pas forcément des autres qu'ils le soient. Donc, je trouve que baser une politique sur la responsabilité des gens, c'est... C'est un idéal sympathique, mais qui n'est pas forcément facile à mettre en musique. Alors là, j'ai envie de dire que ça a été recopié avec une certaine créativité, mais mon niveau de japonais relativement faible lit « Voilà les missions qui déchirent ». Socrate disait « Rien n'est trop difficile pour la jeunesse ». Toi, quels seraient les 3 conseils que tu donnerais aux jeunes aujourd'hui? Bien, d'en profiter, sur pas, j'estime l'être encore. Mais bon, de ne jamais se résigner à des situations qui ne sont pas les bonnes. Donc être entrepreneur de sa vie.
Donc pour moi, c'est ça, c'est profiter, c'est pas accepter des situations désagréables, puis garder l'optimisme. Un adjectif pour toi pour qualifier entrepreneur? Peut-être optimiste. Je pense que c'est ça. En fait, il faudrait plein d'autres des adjectifs, mais c'est peut-être le principal, ouais. Ouais, parce que c'est le fait de croire qu'on peut changer les choses. Mmh. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing. Like. Donc c'est un petit foulard de poche. Sympa, avec des oranges pour le côté optimiste. Tout à fait. L'énergie. Merci beaucoup. Bah merci à toi Pierre. Merci. Voilà.